Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Cette vidéo a été réalisée sur 3 jours, soit pendant 3 heures, pendant la sieste de mes filles. Et je vais vous montrer tout ce que je fais et comment je fais pour entretenir ma maison et la garder propre. Si vous entendez du bruit en arrière-plan, c'est normal, ce sont mes filles qui sont avec moi car c'est les vacances et elles dessinent. Comme vous avez pu le voir, j'ai enlevé tout ce qui traînait sur la terrasse et jeté tout ce que je devais jeter. J'avais fait pas mal de semis et beaucoup n'ont pas levé tout simplement, donc c'est poubelle. Donc pour l'extérieur, je vais prendre mon tuyau d'arrosage, je vais venir nettoyer la terrasse, enlever tout le pollen, tout le tour de la maison et aussi sur mes volets extérieurs. J'avais déjà fait une session ménage de printemps, donc si vous n'avez pas vu, je vous mets la petite playlist en petit i et en barre de description. Et d'ailleurs, ce jour-là, autant vous dire que j'ai fait double travail puisque mon mari est arrivé le soir avec le Karcher et j'ai recommencé avec le Karcher, mais je n'ai pas terminé même au moment où je vous parle puisque la pluie était de retour et on ne peut pas utiliser le Karcher sous la pluie. Il était grand temps pour moi de nettoyer sous mes appuis de fenêtres parce que tout simplement il y avait des nids d'araignées qui commençaient à se former. Hein. Les petites bêtes, elles sont toujours là. Donc moi c'est quelque chose que je fais généralement toutes les semaines, tous les samedis généralement. Mais vu la météo en ce moment, c'était un peu compliqué. Si vous arrivez sur ma chaîne pour la première fois, donc moi c'est Gaëlle, d'où le nom de ma chaîne gaëlle.dailylife. Je fais des vidéos de ménage, de retour de course, de lifestyle et d'organisation. Donc si ma vidéo te plaît, n'hésite pas à mettre un pouce bleu et surtout à t'abonner. Je passe maintenant à la terrasse, je vais tout débarrasser et je vais faire la même chose. Pour tout vous dire, les volets n'étaient pas excessivement sales. Par contre, la terrasse avec le pollen, la terre, la poussière, c'était franchement catastrophique. Si vous avez des astuces et des produits fétiches pour nettoyer rapidement et efficacement, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Nous passons ensuite à l'autre côté de la maison où je vais faire exactement la même chose, mais c'était un peu plus rapide. Et comme vous pouvez le voir, mon herbe est extrêmement bien verte, hein. Merci la pluie, elle a fait au moins quelque chose de positif et aussi pour le potager. Je ne vais pas nettoyer les compresseurs de la clim et du ballon thermodynamique puisque je l'avais déjà fait la dernière fois. Si vous vous demandez ce que c'est que ce rouleau rouge, il s'agit tout simplement de l'électricité en attente pour nos futurs agrandissements de la maison qui arriveront l'année prochaine. Donc restez sur ma chaîne si vous voulez voir tout ça. L'avant de la maison a été très rapide aussi puisque ce n'était pas bien sale et puis je passe au niveau de l'avant de la maison un coup de balai tous les jours. Et nous en aurons terminé
pour le nettoyage de l'extérieur. On va passer maintenant à l'intérieur. Et là, sur les images, je vois que j'ai oublié une fenêtre. Donc, il va falloir que je repasse. Je vois aussi, au vu de mes massifs, que je vais avoir beaucoup de travail cet automne. Concernant l'intérieur de la maison, aujourd'hui nous allons nettoyer les pieds de mes chaises et déhousser toutes les chaises qui sont sales puisque mes filles ne mangent pas encore très proprement. Ce sont des petites filles, la première à 3 ans et demi, la deuxième à 20 mois. Donc je vais nettoyer les pieds de mes chaises avec mon produit multisurface fait maison composé de 2/3 de vinaigre blanc, 1/3 d'eau et quelques gouttes de liquide vaisselle mis dans une bouteille You, mais c'est pas du produit You. Une éponge microfibre, j'ai pris aussi une microfibre sèche et une brosse à dents. Et comme vous avez pu le voir, mes pieds n'étaient pas excessivement sales. C'est pour ça que je mets les chaises sur la table. Je dois investir dans des patères, mais je dois vous avouer que j'en ai pas encore trouvé. Ou du moins, je n'ai pas encore trouvé le temps d'en chercher. Les éponges microfibres, je les avais trouvées une fois à Leclerc et les microfibres, je les ai achetées à Action. Mes chaises et ma table viennent d'IKEA. Et voilà, les pieds des chaises sont propres. Maintenant, je vais déhousser les housses qui sont sales et je vais vous montrer comment je les lave. Étant donné que les chaises sont sur la table, j'en profite pour passer une serpillière. Et une fois que ce sera sec, on dévissera les housses. Ce balai serpillière vient aussi du magasin Action. Et dans le petit récipient, je mets tout simplement de l'eau. Une fois que c'est sec, je viens dévisser mes chaises et c'est parti pour le nettoyage. Et une fois que ce sera nettoyé, je mettrai des petites serviettes sur les housses pour ne pas avoir à les nettoyer toutes les semaines parce que franchement là ça commence à être barbant. Je redescends mes chaises vite fait bien fait pour ne pas qu'elles tombent sur ma fille de 20 mois.
Et pour nettoyer mes housses, je vais tout simplement les mettre dans la baignoire, les mouiller et puis je vais venir appliquer le savon au fiel de bœuf de chez Action. Ce savon est ultra efficace et il détache absolument tout. Je vais venir frotter par la suite, les laisser tremper et les essorer, revenir mettre du savon et les lancer dans une machine le soir. Et le lendemain, elles seront nickel. Une fois que c'est fait, je vais venir nettoyer mes vitres qui étaient très sales avec mon chiffon magique Ilbase. C'est un chiffon que j'ai acheté avec une conseillère sur Instagram, mais vous pouvez aussi les retrouver sur Amazon. Ils sont vendus par 4 et sont au prix de 16€, il me semble. Ce chiffon, il suffit juste de l'humidifier, l'essorer et de venir essuyer vos vitres, votre télé, votre miroir. Et il ne laissera pas de traces en séchant. Une fois que mes vitres sont faites, je vais venir nettoyer l'intérieur de mes volets. J'utilise pour cela la crème d'argile d'H2O. Je vous ai déjà parlé de cette crème. Vous pouvez nettoyer quasiment toute votre maison avec. Elle est ultra efficace. Non seulement c'est un produit écologique, mais aussi économique, car vous n'avez pas à acheter 50 produits. Je suis vraiment désolée pour la qualité de mon son, mais comme je le dis toujours sur ma chaîne, c'est la vraie vie. Je ne peux pas demander à mes filles de se taire. Et là, je vous montre l'autre partie qui est vraiment craca, quoi. Je ne nettoie pas quelque chose qui est propre, hein. Je nettoie parce que c'est sale. On m'a déjà demandé comment est-ce que je fais pour nettoyer mon éponge, puisque pour le moment, je n'ai qu'un seul produit et que je le nettoie quasiment toute ma maison avec. Je vous le montrerai dans une prochaine vidéo, mais j'ai aussi le détachant net et pur. Et du coup, je vais détacher mon éponge avec le détachant net et pur. Et ensuite, je vais laisser mon éponge tremper dans un petit bol avec du vinaigre pour le désinfecter. Il me semble qu'elle passe aussi à la machine, mais je n'ai jamais testé. Mon aspirateur est le Dyson V6 Animal. Il a une petite autonomie de 15 minutes, donc si vous avez un appartement, franchement, il est amplement suffisant, vous n'avez pas besoin du dernier Dyson. Concernant le rail, j'utilise la crème d'argile d'H2O aussi, mais pour les coins, j'ai vraiment du mal à nettoyer. Vous allez voir, je vais venir prendre du coton-tige spécial bébé pour les nettoyer, mais il va falloir que j'investisse dans un nettoyeur vapeur à main. Et ce jour-là, je n'avais pas le temps de terminer, que ma petite assistante était déjà réveillée. Et donc, le dernier jour de cette vidéo, je décide de nettoyer la partie salon. Donc, je vais nettoyer ma TV, mon meuble à TV et je vais venir aussi le réorganiser car c'était un peu le bordel. Dans cette partie-ci, rien de foufou, il faut juste dépoussiérer avec l'aspirateur et ensuite tout remettre car elle était bien organisée. Et comme vous pouvez le voir, j'ai utilisé une boîte à chaussures, donc gardez vos boîtes à chaussures, ça peut toujours servir. Donc de ce côté-ci, comme vous voyez, c'est le bordel, le gros foutoir, donc on va nettoyer le placard. Je vais prendre une nouvelle boîte à chaussures et je vais y mettre
tous mes câbles. Je mets les rallonges à proximité car c'est ce qu'on utilise le plus dans ce tiroir. Je vais venir ensuite nettoyer mon canapé car mes filles ont mangé dessus. Il y a des auréoles partout donc il est très sale. Je passe donc un coup d'aspirateur. Et donc pour le nettoyer, je vais venir tout simplement frotter avec une éponge microfibre humide et je vais venir frotter tout le canapé. Quand je le nettoie en profondeur, je vais venir nettoyer avec toujours une microfibre et de l'eau savonneuse. Mais là, je n'ai pas mis de l'eau savonneuse, juste humidifier la microfibre. Et quand je regarde ces images, je me dis vivement le jour où je vais investir dans une shampouineuse Bissell. En temps normal, pour éviter les auréoles, il faut revenir avec une microfibre sèche pour sécher le canapé. Mais moi, j'ai allumé la clim et du coup, ça a très bien fait l'affaire. Mon canapé est un simili-cuir. Du coup, pour nettoyer le bas, je vais venir frotter avec mon produit multisurface et les taches s'en vont parfaitement. Je n'ai pas nettoyé l'arrière du canapé puisqu'il était propre. Et je poursuis mon nettoyage avec cette baie vitrée puisque je n'ai pas eu le temps de la faire hier. Donc c'est reparti, un nouveau chiffon magique Ilbase humidifié et je frotte. Et je vais utiliser exactement le même procédé que la veille. Si vous aimez les vidéos de motivation ménage, de motivation extrême, comme les Américaines l'appellent, des extreme cleaning, du clean with me, n'hésitez pas, abonnez-vous, vous êtes au bon endroit.
Comme vous pouvez le voir, pendant les siestes de mes filles, je ne reste pas inactive sur mon canapé à ou à faire la sieste. Je le fais très rarement d'ailleurs. Je suis toujours active pour pouvoir entretenir ma maison et que tout soit bien fait correctement et régulièrement surtout. Je vais ensuite passer un bon coup d'aspirateur et de serpillière et la vidéo sera terminée. Sur ces belles paroles, je vous dis à dimanche prochain pour une prochaine vidéo puisque il n'y aura plus de vidéo le mercredi pendant les vacances. Je vous invite à cliquer sur ma dernière vidéo qui va s'afficher à la fin sur l'écran et je vous fais plein de bisous. Ciao, ciao !